Mon nom, offensé. Mon prénom, humilié. Mon état, révolté. Mon âge, l'âge de la pierre. Ma race, la race tombée. Ma religion. Mais ce n'est pas vous qui la préparerez avec votre désarmement. C'est moi, avec ma révolte et mes pauvres poings serrés et ma tête hirsute. Je me souviens d'un jour de novembre. Il n'avait pas 6 mois et le maître est entré dans la case fuligineuse comme une lune rousse. Il tâtait ses petits membres musclés. C'était un très bon maître. Il promenait d'une caresse ses doigts gros sur son petit visage plein de fossettes. Ses yeux bleus riaient et sa bouche le taquinait de choses sucrées. « Ce sera une bonne pièce !» dit-il en me regardant. Et il disait d'autres choses aimables, le maître. Qu'il fallait s'y prendre très tôt. Que ce n'était pas trop de 20 ans pour faire un bon chrétien et un bon esclave. Bon sujet. Et bien dévoué. Un garde-chiume de commandeur. Œil vif et le bras ferme. Et cet homme spéculait sur le berceau de mon fils. Un berceau de garde-chiume. Tué. Je l'ai tué de mes propres mains. Oui. De mort féconde et plantureuse. C'était la nuit. Nous rampâmes parmi les cannes à sucre. Les coutelas riaient aux étoiles. Mais on se moquait des étoiles. Les cannes à sucre nous balafraient le visage de ruisseaux de lames vertes. Nous rampâmes, coutelas au poing. Mon cœur. Tu ne me délivreras pas de mes souvenirs.